First of all, welcome on the island of Patmos, and secondly, welcome in the cave of the Revelation. Tout d'abord, vous êtes les bienvenus sur l'île de Patmos et sur la caverne de l'Apocalypse. This natural and volcanic rock, which is above and around us, is in fact the holy cave in where Saint John the Evangelist, one of the 12 disciples of Jesus Christ, the Beloved One, wrote the only prophetic book of the New Testament, the Book of the Revelation. Ce rocher volcanique est naturel et dans la caverne où Saint Jean, un des 12 disciples et le bien-aimé de Jésus, a reçu le seul livre prophétique qui s'appelle l'Apocalypse. If you open a New Testament book, you can find this particular book, the Book of the Revelation, at the end. It is the last book of the New Testament, and it refers to the future of the human race. That's why it is called prophetic book. Saint John is also the author of the fourth gospel and of three epistles which are called Catholic epistles. This book is found in the last book of the Gospels, and it is... Oh, pardon. Alors, ça fait rien, c'est comme ça. Alors, c'est tout à fait à la fin des épîtres, on trouve ce livre, et c'est pour cela que ça s'appelle prophétique, parce que ça prophétise le futur de l'humanité. Saint Jean aussi, il a écrit le quatrième livre des épîtres, et puis trois autres qui s'appellent... Three epistles which are called Catholic. Les trois épîtres qui s'appellent catholiques. Et le quatrième évangile, j'avais dit au club. Saint John, the evangelist, was exiled here, Patmos, was persecuted here by the Roman Emperor Domitian, in the first century AD, in 95 AD, because of the persecutions against the first Christians. Alors, Saint Jean était envoyé sur cette île comme exil, c'était l'île de l'exil. Il a été. First. Dans le premier siècle. Par 95. Roman Emperor Domitian. L'empereur romain Domitien, il était renvoyé par lui. At first, Saint John used to stay down in the harbor area, in Scala, as the harbor is called by the locals. And from Scala. At first, Saint John used to stay down in the harbor area in Scala. Dans le début, Saint Jean était pas sur cette caverne, mais il était sur la plage où ça s'appelle Scala, où il baptisait. And from Scala, he used to come up in this volcanic cave in order to pray with his disciple Prochoros. Et il venait de temps en temps ici sur cette caverne pour prier avec son disciple Prochoros. He also used to lie down at this corner. He used to put his head in this big cavity, using it as a sort of a pillow for himself. And this smaller cavity was used by him as a sort of a handle for himself. In other words, whenever he wanted to lift himself up, to raise his body up, he put his hand in there. And he did that because he was quite old at that time. Alors, vous voyez, il y a un trou là à l'intérieur du rocher. C'est là où il se reposait, comme ça. Il mettait sa tête à l'intérieur. Et puis, comme il était très âgé, il mettait sa main à l'intérieur de ce petit trou pour pouvoir se lever. According now to the first chapter
of the Revelation book, of the Revelation text, one Sunday, Saint John saw the second person of the Holy Trinity, Jesus Christ, as he is depicted on this large icon of the 16th century. Et un jour, il a eu cette vision de la deuxième personne de la Trinité, comme vous voyez sur cette icône qui est du 16e siècle. Il a vu la deuxième personne comme c'était dessiné là. Jesus Christ spoke to him, dictating to him the Revelation text, and his voice was so tremendous, was so strong, that it cracked the ceiling of the cave. Alors, Jésus-Christ qui lui a parlé, sa voix était tellement forte, je peux dire, mais ce n'est pas le mot correct, forte, parce que c'était puissante, qu'elle a pu craquer la caverne sur le plafond. This is actually the crack. It comes from the western part of the cave. It runs across the ceiling of the cave. And here, to the east, it splits the rock in three parts. One, two, three. And this is the symbolism of the Holy Trinity, a very fundamental symbol for the whole Christianity. Le rocher était déchiré, comme vous voyez, depuis là, en une ligne toute droite qui arrive jusqu'ici, et puis c'est formé d'une manière en trois pierres, comme ça, pour donner cette, si vous voulez, la Trinité, ça symbolise la Trinité. This surface of the split rock is very important, especially for the Orthodox Christians, for the Orthodox pilgrims who happen to come here, because of one similarity. Which one? Whenever the Orthodox Christians want to symbolize the Holy Trinity using their fingers, they connect these three fingers together and they cross themselves like this. Now, if you see the surface of my connected fingers is similar to the surface of the split rock. So, the Orthodox Christians, by doing this, they probably follow this old and certain tradition. Si vous voyez encore une fois les trois parties, c'est très important pour les orthodoxes grecs qui viennent ici, parce que ça symbolise la manière comment ils se croient, ils se font la croix. Si vous voyez mes doigts qui sont formés comme ça, ils ont le même aspect comme le rocher. Et c'est probablement, on se croise comme ça, et c'est probablement la tradition était venue de cette pierre-là. Saint John fell down like dead, because it was a very strong spiritual experience for himself, and we know that he did not write the Revelation text on his own, because he was not able to do so. So what did he do? He dictated everything he was seeing and hearing in this cave to his disciple, Prochoros. And Prochoros himself used this natural desk, this natural bookstand, and he wrote on this flat place whatever Saint John was dictating to him. L'expérience de Saint Jean était tellement forte quand il a entendu la voix de Jésus qu'il est tombé, comme vous voyez dans cette icône, comme s'il était mort. Et puisqu'il était dans cet état, il ne pouvait pas écrire les paroles qu'il entendait de Dieu, mais il y avait son disciple Prochoros qui est là dans cette icône, qui était comme scribe, si vous voulez, pour prendre les paroles que disait Saint Jean. Il y a de ce côté-là un pupitre naturel, et il paraît que c'était là qu'il prenait la dictée de Saint Jean. This part here, this
side chapel, the entrance of which you came, and the buildings which are above the cave, you saw them while you were coming down, were built later, were added later. Cette partie que vous voyez maintenant ici, cette petite chapelle, était construite beaucoup plus tard, ainsi que les maisons, la maison qui est sur, au-dessus de cette chapelle. In fact, this was the natural entrance of the cave, the old entrance of the cave. Imagine now how the things were at those times. The cave, no decoration at all, nothing above it, the entrance of it, it was an open cave, facing straight outside, in the open air. Alors imaginez-vous que cette partie-là, c'était l'entrée principale de la caverne, et tout était comme c'est naturel à l'intérieur. Alors, imaginez-vous quand les gens venaient pour rentrer de cette manière, de ce côté-là. This side chapel, the chapel of Saint Anna, the mother of the Virgin Mary, which is in a way closes the old entrance of the cave, was built in the 11th century. It is 900 years old. Cette chapelle-là que vous voyez, est bâti pour Sainte Anne, la maman de notre mère, la Vierge. Et puis, cette partie qui est ouverte, maintenant, c'est il y a une autre entrée. Elle était bâtie dans le siècle. 11th century. Dans le 11e siècle, qui fait que c'est 900 ans vieux. And the buildings which are above the cave were built in the 18th century. They are 200 years old. Les bâtiments que on va filmer peut-être plus tard au-dessus de cette caverne, c'est des bâtiments qui datent depuis 18th century. 18e siècle. This is the story of the place. C'est l'histoire de cette place. Have a nice time here on the island of Patmos. Que vous passez très bien ici à l'île de Patmos. And have a nice return back to your countries. Et puis que vous rentrez en Yeah.